Salut à tous, c'est Arcane. Aujourd'hui, une vidéo sur le Docteur Terreur. Alors, j'ai déjà filmé les 4 ou 5 premiers niveaux, je sais plus. L'enregistrement a bugué, enfin le logiciel avec lequel j'enregistre a bugué. Donc, je vais vous montrer ça en replay et on fera le 6 et le 7, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, le 6 et le 7, on le terminera en live, enfin du moins, je l'espère. Si jamais la vidéo bug, ben, je serai obligé de vous montrer uniquement les replays, mais voilà, je vous montrerai au moins le Docteur Terreur. Alors, toujours pareil, en full guerrier. Obligatoire, hein, ça c'est pour moi une ligne de conduite. J'ai tout boosté parce que derrière je vais continuer à jouer encore hein, comme d'hab. Donc je me répète, mais voilà, je vous le dis. Vous pouvez regarder ici mes statuts, donc vous voyez qu'il y a un petit peu de changement dessus, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Hop, et on va donc bah, de ce pas vous montrer un petit peu. Voilà, donc j'ai fait jusqu'au niveau 4, et donc on fera le 5, 6 et 7 ensemble. Alors, hop, journal des activités. Alors, le premier niveau. Donc je vais vous montrer en x2 parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel sur le premier niveau. Hop, terminé à la canonnière. Le second niveau. Hop. Donc pareil, alors celui-ci, étonnant, mais je crois qu'il avait 120 000 de vie, donc impossible de le détruire à la canonnière. C'était tout simplement pas possible. Donc là j'élimine la petite mine qui était sur le côté avec le canon. Je viens focus le QG. Rien de bien compliqué encore. C'était le niveau 2. Rien de dangereux. On passe au niveau 3, voir la bataille, on est parti. Vous avez noté que sur le deuxième, donc là, déjà un niveau 3 un peu plus compliqué, donc je vais passer par la droite, parce que je n'ai pas forcément envie de me faire chier, et puis voilà, quoi, je suis passé par là. Dans tous les cas, je sais que je ne crains rien, que ce soit au niveau des, voilà, s'il y aurait des lance-roquettes ou quoi que ce soit, la seule chose qui va me faire chier, je vais l'éliminer dès que je serai au niveau du QG, c'est la tour de sniper, voilà. Et donc, je sais plus ce que je disais. Je disais quelque chose et je sais plus. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Ça m'apprendra à dire deux choses à la fois. Donc là, voilà, la tour de sniper est morte à l'instant. Ça y est. Et derrière, je vais freeze, je crois, donc tout ce qui est sur la gauche et sur la droite. Voilà, à peu près tout ce qui peut me tirer dessus. Et freezer. Voilà, donc ça, c'était le niveau 3. Je vais vous montrer le niveau 4. Donc, on va enchaîner. Oui, donc je vous disais que j'avais... que j'ai... Voilà, j'ai obtenu un cristal. Sur Docteur Terreur niveau 2, donc ça peut être sympa. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir des chefs-d'œuvre de chance de pierre de puissance. Voilà, je vais y arriver. Alors, un petit barrage juste devant l'électrobombe pour nettoyer toutes les supermines qui sont là et qui pourraient potentiellement, même sûrement, me détruire des guerriers. Donc, j'ai pas envie de perdre un guerrier au niveau 4, ce qui peut arriver, hein, il suffit une petite erreur. D'ailleurs, vous allez voir qu'ici, je vais prendre la honte en direct live. Je vais essayer de détruire ce lance électrobombe avec ce lance roquette. Sauf que. Il va m'en falloir 3 coups. Et je pensais qu'avec 2 ça suffisait. Donc j'ai frisé. En plus de ça, en frisant, je l'ai loupé. J'ai dit bon, ben allez, c'est parti. Une dernière artillerie, voilà, histoire qu'il m'embête pas. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors ça c'est fait. Donc on va enchaîner maintenant en live. Le logiciel, je vérifie, le logiciel a toujours pas planté, donc c'est parfait. Voilà, je me suis pas trompé, hein, je vous ai bien montré le 4, hein, je suis pas fou. Hein. 1, 2, 3, 4, je vais juste vérifier, parce qu'il faudrait pas que... oui, c'est bon, il a été montré. Ok, donc on va enchaîner sur le 5. Hop, c'est parti. Vous inquiétez pas, hein, j'ai pas des poux, c'est juste que ça m'a un petit peu énervé tout à l'heure. J'ai fait la vidéo et tout, je suis devenu fou, vu que ça a planté, parce qu'à chaque fois je suis obligé de le refaire. Et quand je m'énerve, voilà, ça me... Ça me rend fou, ça me pousse de l'urticaire. Oh là là, le gros fail. Oh le gros fail, j'ai cliqué. On va refaire. J'ai cliqué sur le côté, j'ai pas fait gaffe. Vous voyez, c'est l'émotion. Voilà, c'est l'émotion. C'est l'émotion, tout simplement. Tac, on est parti. Donc, petit barrage ici ou pas? Non, en fait, on va même pas utiliser un barrage, on va juste faire ça. Et ça, voilà. Alors, ici, on va quand même bien protéger... Les petits bestiaux, quoi. Parce qu'il faudrait pas... Il faudrait pas qu'ils prennent un coup malencontreusement. On va venir se mettre sur cette petite... résidence. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ouais, on dirait un genre de coffre en plus beau gosse, quoi. Un coffre badass. Alors, donc, on va friser ce paquet ici. Alors, je vous avouerai que j'ai pas vérifié... Je pense pas l'électrobombe me touche, mais je vais quand même... Je l'ai quand même frisé au cas où, je n'ai pas vérifié.
Je pense pas que ce soit super compliqué encore le niveau 5, voilà, donc avec un bon freeze et des guerriers assez bons, enfin voilà, des guerriers niveau 18 pour ma part, vous mettez 2-3 boosts et c'est fini. En général, vous passez sur le Docteur Terreur très facilement. Allez, on enchaîne sur le niveau 6, on est déjà à peu près à 5 minutes de vidéo. Je dis à peu près, mais bon, j'ai le timing exact, hein, le mec qui sait pas quoi dire. Donc là, on va certainement faire un petit barrage histoire de nettoyer tout ça. La mine niveau 1. Ah oui, ben oui, c'est ce que le collègue avait dit. La mine niveau 1, derrière, on va prendre... Oh non, mais c'est... Oh là 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 là, mais là, Supercell, réveillez-vous, les gars. Hop. Alors, barrage ici, donc on espère nettoyer un petit peu tout. Toujours pareil, faites attention à votre débarquement, c'est en général au débarquement que l'on perd des troupes bêtement. Alors, faites gaffe. Tac. Tac. Ouais, je fais des tac-tac, mais c'est ma manière à moi d'attaquer. Oula. Ça, j'aime pas ça. Alors, en plus de ça, donc je fais le malin, mais j'ai même pas vérifié. Qu'est-ce que je dois friser, qu'est-ce que je dois pas friser. Donc voilà, bon, ça c'est typiquement moi. Voilà, voulu faire le malin le gars. Et là il a déjà perdu 2, 3, 4, 5 guerriers. 5 guerriers je crois, oh là là, niveau 6, 5 guerriers. Vous pouvez venir me mettre une gifle. C'est gratos, y a pas de problème. Je vous en voudrais pas. Ouais, 5 guerriers de perdu, nom de dieu. Oh là là là, bon c'est pas grave. Allez, je vais quand même voir le niveau 7. Parce qu'un collègue à moi m'a dit qu'il n'était pas si dur que ça. Il a à peine 330 000 de vie, je crois. Bon, je sais. Bon, allez pas me taper parce que j'ai pas réussi à calculer, mais... Non, mais il y a encore une mine niveau 6 ici. Bon, vous savez quoi? On va passer sur cette mitrailleuse, on va venir sur ce sniper, et on va venir s'allonger ici. Enfin, s'allonger, se déployer plutôt. Ah oui, là, faut pas se louper, quand même. Allez, on est parti. Je vais vérifier que mon logiciel n'est pas planté. Va falloir que je trouve une solution d'ailleurs pour ça. Parce que là, c'est plus possible. Obligé de refaire 50 000 fois. Vous voyez ce que je vous disais là? Hop. La petite erreur de Fumi. Bon, m'a pas coûté très cher là. Mais elle aurait pu me coûter énormément cher. Hop, donc je vais nettoyer deux petites mines. Voilà, qui peuvent... Et j'ai assuré en mettant deux fumigènes. J'aurais très bien pu le faire avec un seul fumigène. Bon, là, pour la vidéo, c'est vrai que je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Il y a un bulldog qui est en train de crier dehors. Tac, tac, tac. Allez, normalement, ça passe. On va envoyer une petite bestiole. Voilà, parfait, impeccable. On n'a pas eu besoin de refaire les troupes. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai dû perdre, je crois, 2 ou 3 guerriers sur ce niveau 7. Si je dis pas de bêtises. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Hop. Bon, 5 guerriers. Ok. Je me suis un peu emballé. Voilà. Docteur Terreur, les 7 niveaux passés devant vos yeux ébahis. voilà, donc ça c'est terminé. Alors, on enchaînera bien sûr, je vais essayer de vous faire encore plus de vidéos. Le problème c'est que voilà, je suis encore avec un logiciel de record qui est ma foi un peu fébrile. Donc des fois il bug pas mal. Je suis à 7-8 minutes de vidéo et bam, d'un coup il y a marqué a cessé de fonctionner. Donc là je vous garantis que je m'arrache les cheveux. D'ailleurs il va falloir aller au coiffeur. Mais voilà, c'est assez compliqué. Donc je suis encore toujours en train de vérifier. Voilà, j'ai mon logiciel qui enregistre le son ici. Derrière j'enregistre l'iPad en face de moi sur l'autre écran. Et c'est vrai que c'est pas facile de gérer tout ça parce que je suis obligé de vérifier. Donc je vais essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. En attendant, voilà, je suis content, j'ai quand même réussi à vous proposer le Docteur Terreur avec les 7 niveaux, sans trop de pertes, sans trop de fails non plus. Ça, c'est assez cool. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le Snapchat est donc arrivé maintenant. J'ai fini à peu près le tour des réseaux sociaux. Voilà, je suis présent sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat. Donc, bb_arcane. Enfin, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dedans. Écoutez, je vous fais plein de poutous. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et ce serait cool que cette vidéo atteigne 50 pouces bleus. Je compte sur vous. Salut, c'était Arcane.